Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et on a dans nos mains un tri-pack épée bouclier Clash des Rebelles EB03. Donc on va ouvrir ce tri-pack qui contient donc 3 boosters, une carte promo et un jeton. Et on va l'ouvrir afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il doit y avoir une carte code aussi. Donc on va ouvrir ce petit tri-pack. Allez, c'est parti. Bon, un petit coup de ciseau. J'aurais dû arracher sur le côté carrément. Dans la difficulté d'ouvrir le tri-pack. Alors, on va y arriver. Eh ben non, même pas. Bon, je vais l'arracher avec le carton. Ça sera plus simple. C'est parti. Donc, hop. Voilà. Donc, on a notre booster. La petite pièce. Donc on a aussi une carte à code. On va laisser de côté. Et la fameuse carte promo Duralugon. C'est le tri-pack Duralugon. Et donc on a ces 3 boosters. Épée bouclier, EB03, Clash des Rebelles. Donc on va ouvrir les 3 boosters. Et on va espérer avoir une super carte. Ça arrive de temps en temps. Dans les tripacks. Allez, puis bouclier B03. Hop. Alors, la carte code, je l'enlève. On va mettre. Bah oui, on va faire comme ça. Allez, hop, c'est parti. Donc, première carte énergie. Pokéball. C'est les unes communes. Les peu communes, bœufs qui pend. Et énergie et vélocité, un peu commune. On attaque les communes. Moufouette, Mélofée, Voltorb, Tarinor, Goélise. Et on a. Oh! Ah, Rachoutine, peu commune, Reverse. Super. Et on a un rare, on a Déflaizant. Ok, donc premier booster intéressant, une peu commune Reverse. Donc on va enlever la carte code. Allez, on va faire un petit tri sur les 4 dernières cartes qu'on va mettre devant. Et c'est parti. En premier, la carte énergie. Et puis maintenant, on a les peu communes. Charmina. Chelour. Énergie Vélocité. Ah, pas de bol, on venait de l'avoir. Bon. Tarinor. Goélise. Smogo. Archéomir, Toxizap, et en reverse, énergie et frayeur. Ouh, super, encore une peau commune, reverse. Super, elle est magnifique. Et on a en rare, Barche, Bicha. Ok, alors, bon, je suis pas sûr d'avoir une super carte dans ce pack, vu qu'on a eu 2 peau communes reverse, qui sont pas forcément faciles à obtenir. Donc, à mon avis, c'est pas sûr qu'on ait une super carte. Bon, c'est pas grave, on va faire durer le suspense quand même. Donc l'énergie en premier, énergie électrique, et là Bandana brûlant. On a quand même beaucoup de peu communes de dresseurs dans ce tripack, hein. Vimessir et Carolina, encore un dresseur, c'est un truc de fou. Smogo, Archéomir, et on a les mêmes communes, c'est assez bizarre. Toxizap, les mêmes communes qui reviennent. Funessir, Nénupio, et on a encore un dresseur. Là, je pense qu'on n'aura pas de super carte. Total Soin, c'est vraiment un tripack étrange. Beaucoup de cartes un peu identiques. Et aussi, quand même, Sarlason V. Oh, la dernière carte de ce tripack. Bon, ben voilà, on a quand même une ultra rare, la 70 sur 192. Super. Bon, comme ça, au moins, on n'est pas fait, on n'est pas, on dire, pas sans rien du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même eu dans ce tri-pack. Je suis plutôt content parce que on a quand même, j'ai raté la deuxième, on a quand même 3 peu communes reverse
qui sont pas forcément courantes. Salarsen V et la carte promo Duralugon. On a deux cartes rares aussi. Bon, c'est quand même intéressant pour ce tripack. C'est vrai que c'est le numéro combien? Alors Clash des Rebelles, je me suis trompé, c'est pas EB03, c'est EB02. Petite précision, voilà. Donc les amis, je suis plutôt content de ce petit résultat, de cette ouverture d'un tripack EB02 Clash des Rebelles. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.